À Digne-les-Bains, non loin du site du crash de l'A320, une messe a été célébrée en hommage aux 150 victimes. Au temps de Lumignon, avait été disposée dans l'église où se sont réunis les habitants de la région venus prier pour les morts et leurs familles. C'est terrible, mais les familles qui restent, c'est affreux, c'est horrible. Il n'y a pas de mots. Je suis brisée intérieurement. Le crash de l'A320 a entraîné un élan de solidarité. Selon la préfecture du département, plus de 1300 familles ont ainsi proposé d'héberger des proches de disparus venus depuis mardi se recueillir quelques heures près des lieux du drame. Wir beten für die Angehörige der Opfer. Lors de la messe, un texte a été lu en allemand et en espagnol, les langues des pays ayant payé le plus lourd tribut à la catastrophe. Des familles de victimes continuaient ce samedi à se recueillir devant le mémorial installé au pied de la montagne. Parmi elles, les proches du capitaine de l'A320 qui n'a jamais pu réentrer dans le cockpit et ainsi éviter le crash.